amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aurélien, le propriétaire de cette RX7. Salut Aurélien. Salut, ça va ? Comment tu vas ? Ça va bien, ça va bien. Alors, de quoi tu veux nous parler, Aurélien, dans un premier temps ? Bah, c'est comme vous voulez, on peut parler du moteur qui fait débat ou... On peut parler de plein de choses. Allez, on va déjà faire le tour esthétique si tu veux bien. Alors déjà, on voit que les ailes ne sont pas d'origine. C'est une modification que tu as fait dernièrement. Parle-nous-en un petit peu. C'est de la fibre déjà, dans un premier temps. Ouais, alors en fait, c'est un kit qui élargit l'avant. On gagne 1,5 cm. Et puis on a ce décrochement derrière l'aile qui laisse apparaître l'arrière du pneu en fait. Ouais. Donc voilà, c'est des ailes qui sont beaucoup montées sur les RX-7, que beaucoup de monde apprécie. Et puis ben, je trouve qu'esthétiquement, c'est super joli. Oui. Et puis dans les ailes d'origine, on a une petite aération en fait, à la place de ce décrochement qu'on a ici. Et puis cette aération, je la trouve pas belle du tout. Voilà, c'était pas du tout à mon goût. Alors voilà, j'ai décidé de changer ça cet hiver. Et puis ben, j'ai conservé les ailes d'origine au cas où un jour, si je la vends. T'as envie de revenir. Ou si moi je veux revenir, ou si le futur propriétaire, si je la vends. Le taux d'origine. Okay. Et ben c'est très joli, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez les amis. Voilà. Alors la fibre est un peu difficile à travailler, on en parlait il y a 5 minutes, donc voilà, attendez-vous si vous voulez en monter à avoir quelques petites difficultés pour les monter, mais bon, le résultat est quand même au rendez-vous. Ouais. Après voilà, c'est déjà pas mal, il y a déjà des pattes de fixation sur la pièce en fibre, choses qui sont déjà absentes sur pas mal de kits en fibre, notamment sur tout ce qui est 106. Mais là, il y a déjà des pattes, donc il y a juste à faire les trous, entre guillemets. Mais voilà, la fibre, ça travaille. Et puis, je pense qu'il faut refaire les ajustements régulièrement pour avoir quelque chose de propre. Tu as acheté ça où ? À l'étranger ou... J'ai acheté ça en Angleterre, ouais. En Angleterre, il y a énormément de pièces pour Mazda RX-7, puis japonaises en général. Ouais. Et puis, il y a beaucoup d'ateliers de fibres et de carbone. Voilà, tout le carbone et toute la fibre que j'ai acheté pour les différentes autos vient de là-bas. D'accord. Et donc, ils savent faire, quoi. Il n'y a pas de souci pour ça. Après, c'est le transport qu'il faut un peu croiser les doigts pour espérer que ça ne soit pas cassé en arrivant. Quoi. Ok. Bah, écoute, c'est très très joli. Et puis, c'est arrivé en bon état, donc c'est parfait. Donc, tu as fait peindre ça dans un garage du coin qui s'appelle le garage du Tertre, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, à Allenjoie. Donc, je peux vous dire que c'est très bien fait. Voilà, surtout qu'il n'a pas eu l'auto. Hein. Je lui ai emmené les pièces, comme ça. Donc, les ailes avant sont en fibre. Le capot est en alu. Ouais. Les cache-phares sont en plastique. Ah ouais, donc le pare-choc avant est aussi en plastique quoi. T'as amené vraiment toute la face avant. J'ai amené toute la face avant, parce que la face avant, le rouge avait quand même pas mal passé. Il virait au rose. Donc voilà, j'en ai profité pour faire toute la face avant. Et il a passé un coup de spectro et puis il a tout de suite ressorti la couleur. Je lui ai amené une aile d'origine. Donc il a passé 4 fois le spectro. Ouais. Et puis il a sorti une teinte. Donc voilà, il n'a pas fait d'essai, il y est allé direct. Et puis quand j'ai monté, franchement, je lui ai envoyé un message parce que au niveau de la teinte, il n'y a rien à dire avec le raccord des portières. Quoi. Donc il n'y a rien de fait avec ce garage, mais ça fait très souvent qu'on me parle du garage du Tertre. Donc les amis, si vous êtes du coin, n'hésitez pas à aller les voir. Voilà, je ne les connais pas du tout, mais quand le travail est bien fait, ça mérite d'en parler. Voilà, donc vous pouvez voir, le raccord est très bien, il n'y a pas de différence de teinte. Donc ça, c'est parfait. On va parler de ces jantes, si tu le veux bien. Pas de souci. Donc des JR, le numéro, je ne le sais pas. C'est des JR11. 11, ouais. Voilà. Ok. Alors d'origine, donc c'est des jantes en 16, qui sont toutes plates et bien rentrées dans les ailes. Moi, quand j'ai acheté le véhicule, il y avait des jantes en 17, couleur bronze. Ouais. Donc je trouvais que ça n'allait pas du tout. Et puis finalement, en se renseignant pour enlever le bronze, refaire une peinture noire, j'avais le meilleur temps de racheter 4 jantes. J'en ai profité aussi pour passer en 18. Voilà, pour question d'esthétique, ça remplit quand même beaucoup plus les ailes. Et puis c'est modèle de jante JR11 que je voulais depuis un moment sur une de mes autos. Voilà, que je trouve très beau, l'effet concave. Ça lui va très très bien. Voilà, donc je les ai mis sur celle-là et franchement je suis pas déçu. Autant sur certaines voitures, il y a débat, autant sur celle-là, honnêtement les amis. Hein. Vous pouvez regarder, c'est vraiment très joli. Les anciennes étaient très belles aussi, hein, d'ailleurs. Je vais essayer de vous mettre une photo, tu m'en enverras une, je la mettrai sur le montage. Ouais, c'était très beau aussi. Mais c'est vrai que elles avaient été peintes en blanche à la base, plus un plastidip en bronze. Ouais, ça commençait. Donc ça commence à faire beaucoup de choses pour les repeindre. Ça... Puis le plastidip, je crois que ça aime pas trop les freins, et en plus de ça, on a des gros freins. Ouais. Donc tu peux nous en dire un peu plus aussi. Oui, alors d'origine, c'est des petits freins en 4 pistons quand même, mais ils sont vraiment petits, des étriers. Et puis là, on est passé sur du 6 pistons sur bol. Voilà, j'ai pas le diamètre, mais on peut voir quand même que c'est conséquent. Ouais. Et donc ça a une modif qui a été faite par l'ancien propriétaire,
Elle est valable parce que la voiture pèse combien aujourd'hui? Alors la voiture fait 1,2 tonnes. D'accord. Voilà. Après, l'ancien propriétaire, c'est pas mal de. Enfin, l'avait pour faire de la piste. Ah oui, donc. Voilà. Donc c'est lui qui a fait. Il a fait une prépa au niveau du moteur, au niveau du châssis, forcément les freins. Ouais. Et puis voilà, puis ben c'est pas un mal pour. Parce qu'on voilà, on sait tous que les autos des années 90-2000, les freins, c'est pas la fête, quoi. C'est pas la fête, effectivement. Et tu parles de préparation, justement, il y a des suspensions aussi ou... Oui, alors il y a les combinés filetés, voilà, il y a des grosses barres anti-roulis, barres anti-dévers. Voilà, il a vraiment fait une préparation complète du châssis. Hein. Il est vraiment allé à fond. D'accord. Et puis on a aussi un pont court à l'arrière et un autobloc. Eh ben écoute, tu parles de l'arrière, on va y aller. Ce que j'aime beaucoup aussi, ce que tu as rajouté, c'est super sympa, c'est ces autocollants no step. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Ne pas mettre son pied là-dessus, s'il vous plaît. Ouais, son pied ou sa main quand on veut sortir. Ou quoi que ce soit d'ailleurs. Ouais. C'est très sympa. Très beau ces petits bas de caisse. C'est d'origine ça? Non, ça c'est pas d'origine. Ah. Voilà. Moi c'est une modif que j'aime beaucoup puis que je voulais sur ma RX-7 le jour où j'en achèterai une. Et voilà, j'ai eu la chance que ben voilà, elle était déjà à mon goût. Il y avait déjà pas mal de modifs que je voulais. C'est aussi qui a justifié le choix de l'achat de celle-ci, quoi. De toute façon, en règle générale, les modifs que tu fais, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais c'est souvent très joli. Là, on a des autocollants un petit peu partout. Ça, c'est très sympa aussi. L'intérieur, vous allez voir, il a fait des sièges vraiment sublimes. Donc ça, là-dessus, il n'y a aucun doute. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est très joli. Alors, l'arrière, on va retrouver notre petit bazooka. typique un peu de ce genre de voiture. Donc là, on a un diamètre, je sais même plus que 10 cm. Là, c'est, je ne sais pas combien, mais c'est énorme. Mais vous allez voir, ça chante. Après, on vous prendra une prise de son. On fera une prise de son. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la ligne? C'est quoi, du Gen Speed? Alors, c'est une ligne complète Gen Speed. D'accord. Donc, depuis sortie de turbo jusqu'à la fin. Voilà, donc c'est pareil, c'est l'ancien propriétaire qui l'a installé, celle-ci. Je pense que je vais modifier un peu le silencieux dans les mois à venir. Ouais. Pour quelles raisons? Alors, pour des raisons de flamme, on va dire. Ah merde! Voilà, ouais, ça fait quand même pas mal de flamme, le rotatif. Et ouais, voilà, je préférais soit le rallonger un peu, soit faire une sortie plus vers le sol. On peut le voir, hein, c'est un petit peu noir au-dessus du pare-choc, bien qu'il ne soit pas fondu, donc jusque-là tout va bien. Bah, il n'est pas fondu, mais disons que j'ai pas envie de prendre le risque. Quoi. Voilà, ouais, non, mais voilà. Surtout qu'un pare-choc arrière, ça doit pas non plus être facile à trouver. Non, oui. Bah, les pièces en général sont pas évidentes à trouver. Les pièces d'origine, c'est assez compliqué, quoi. On voit aussi de la LED là au niveau des feux arrière. Est-ce que c'est d'origine ou Alors non, c'est pas d'origine non plus. D'accord. Donc ça c'est pareil, c'est l'ancien propriétaire qui les a installés. C'est aussi une modification que je voulais sur la mienne. Ouais, c'est joli. Hein. Donc ça tombait bien, voilà. Donc c'est vrai que ça modernise un peu le véhicule. Ouais, tout à fait. Et ça modernise parce que je le rappelle, enfin je sais pas si on l'a dit, mais il est de 93. Ouais, 93-94. Donc voilà. C'est quand même de bonne facture, on va dire, c'est encore tout à fait moderne aujourd'hui, malgré une voiture qui a 27 ans, si mes calculs sont pas trop mauvais. On a aussi des petits rappels carbone, c'est du vrai carbone ici? Ouais, ça c'est du vrai carbone. D'accord. Donc en fait, ça c'est. Il y a plusieurs ailerons sur les RX7. Voilà, il y a un aileron d'origine qui s'apparente juste à une lame un peu surélevée. Il y a celui-ci qui est l'aileron de la Type R. C'est très beau. Voilà. Et puis il y a exactement aussi le même que celui-ci, mais plus rehaussé. Voilà. J'ai eu l'occasion de voir une RX-7 sans aileron. Pas très beau. Ouais, c'est un peu à vomir. Hein. C'est... Excusez-moi hein, s'il y a des viewers qui voient cette vidéo qui ont une RX-7 sans aileron, mais là, on s'apparente presque à de la faute de goût. Hein. Voilà, donc là, tout ce qui est arrière, c'est très joli. Hein. Il n'y a rien à dire. Ah, c'est un magnifique coupé, de toute façon, il n'y a rien à dire. C'est une voiture qui est mythique. Alors, toi, tu l'as connue comme beaucoup de monde, je pense. Je te pose la question par rapport à Fast and Furious quand on était gosse ou... Alors, c'est plus jeu vidéo. C'est un peu comme la Mitsubishi. C'était Gran Turismo 2. D'accord. Voilà, où il y avait cette RX-7. Et puis après, ben, j'ai pris un peu des renseignements. Ouais, forcément. Puis il y a pas mal de drifters aux États-Unis puis en Australie qui roulent avec ça. Mais il y a une émission d'ailleurs qui est connue sur Netflix, là, comment ça s'appelle, tu dois connaître, qui est un gars qui a monté une RX-7 full drift et tout, c'est un monstre l'auto d'ailleurs, mais ça me fait penser d'ailleurs à ça, je sais plus le nom. Bref, plus le nom non plus, en commentaire les amis, mais c'est un truc, ça déglingue. Enfin c'est à l'américaine, hein, c'est une série très... voilà, mais... Bon ben voilà pour le tour extérieur de l'auto, elle est très belle, ce rouge est magnifique, il y a d'autres teintes. J'imagine. Oui, alors il y a du bleu, du gris, du ouais, jaune est très beau. Ils sont pas à voir là-dessus. Ah oui, jaune, elle est très très belle. Il y a un très beau jaune, voilà, toi qui aimes le jaune. Oui. En blanche, elles sont très belles aussi, ça met vraiment en valeur les courbes. Ouais. Voilà, les noirs, ben, comme beaucoup d'autos noirs, c'est un peu plus discret, mais... Ouais. Mais sinon, ouais, non, au niveau du catalogue couleurs, ils étaient très, très fournis à cette époque-là, puis ils n'hésitaient pas les couleurs vives, surtout.
maintenant c'est un peu plus. Maintenant c'est. C'est un peu plus réticent. Ok. Bah écoute, on va aller voir l'intérieur. Et bon, bah c'est une RHD, hein, donc on va aller côté droit pour aller voir le poste de pilotage, si tu le veux bien. Et je vais vous montrer donc les modifs. Alors celle que j'ai trouvée vraiment très très belle, c'est d'abord le changement tissu des sièges par quelque chose de très beau. C'est du tissu bride. Alors moi je dis bride, je ne sais pas si ça se dit bride, si ça se dit, j'en sais rien. On s'en fout. Mais dites-nous en commentaire les amis ce que vous en pensez. Petit volant en plat, en peau retournée, c'est très beau. Tout neuf d'ailleurs, on dirait. Oui, il est tout neuf, oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce poste de pilotage? Alors, ben, on va reprendre les sièges du coup. Ouais. Donc voilà, ce sont les sièges d'origine à la base. Quand je l'ai acheté, il y avait pas mal de... Les plateaux d'assises et puis de dossiers qui commençaient à... Qui n'allaient pas tarder à faire des trous. Ouais. Voilà. Et puis ben, les mousses forcément qui avaient ramolli. Donc je suis allé Sellerie Bertrand à Etup. Ouais. Voilà. Ils travaillent notamment avec Porsche. Ah bah oui, oui, ils travaillent très bien. Je leur ai emmené des sièges de tissu et puis ils m'ont fait ça voilà, en une semaine quoi. J'ai juste pris rendez-vous. Et puis vraiment un bon boulot quoi, il n'y a pas à dire. Ah bah ça, c'est nickel hein. Ah ouais, ouais, c'est super bien fait. Après voilà, le choix du tissu fera débat, mais bon voilà, j'ai mis le toit à mon goût. C'est le principal. Ah oui, complètement. Dites-nous en commentaire les amis ce que vous en pensez. Mais moi j'adore. Clairement c'est vraiment dans l'esprit quoi. C'est vraiment très joli. Voilà, donc ensuite bon, le volant avec un moyeu rétractable pour pouvoir rentrer puis sortir plus facilement du véhicule. Parce que c'est vrai que c'est un coupé... qui est plutôt destiné aux petits japonais qui a des grands gabarits d'1m85. Ouais. Donc ça c'est assez compliqué, mais bon voilà, quand on fait avec on va dire. Exactement. Voilà. Après voilà, le reste bon, c'est quasiment d'origine, à part donc vous avez là-bas la télécommande Apex. Donc c'est la liaison avec le calculateur finalement qui a été changé. Voilà, et qui nous donne des indications sur la pression de turbo, la température d'eau, le régime moteur, et puis il y a un détecteur de cliquetis en fait. D'accord. Voilà. Il y en a aussi un d'origine, de détecteur de cliquetis sur le véhicule. Ouais. Et voilà, ça c'en est un en plus, voilà, qui est certainement plus fiable et plus récent. D'accord. Donc c'est un indicateur qui te donne un petit peu bah, en temps réel. C'est ça. Ce qu'il en est. Et okay. Puis voilà, les jauges de température et de pression d'huile également, qui sont à la place de l'autoradio. C'est un AFR là que Donc il y a un AFR, ouais. Et puis il y a température et pression d'huile. Voilà. Même si c'est aussi sur le compteur d'origine, voilà, oui, on voit quand même qu'il y a des écarts. Faire une redondance d'informations par rapport à ça. Voilà, c'est la préparation de l'ancien propriétaire, comme il faisait de la piste. Voilà, il a verrouillé un peu tout et il a vous mis pas mal d'indicateurs. Un petit peu de carbone ici. Ouais. Vous avez. Alors, c'est compliqué à trouver les pièces habitacles, des choses comme ça. Voilà, il y a des choses qui sont étonnamment compliquées à trouver, puis il y a des choses qui sont étonnamment faciles à trouver. Ouais. Donc voilà, j'avais eu un problème avec l'interrupteur de vitre. Juste ici là ? Voilà, juste ici là, ouais. Donc voilà, le boîtier là. Voilà, je me suis dit, ça va être voilà, pièce électronique, les années 90, ça va être ça compliqué. Va être compliqué, ouais. Et puis finalement, non, eBay 2 minutes, et puis j'ai trouvé ça pour 70 euros. Ah ouais. Donc, bah, 70 balles quand même. Ouais, après, bon, voilà. Mais t'as trouvé. Voilà, mais j'ai trouvé. À défaut. Voilà, c'est avec ce genre d'auto, des fois, il faut, voilà, faut pas forcément regarder le prix des pièces, ouais, faut se dire clair. Que quand on trouve, on a la chance de trouver. Et puis ben voilà, faut acheter au prix où c'est quoi, parce qu'après on sait qu'on peut peut-être passer un jour, un ou deux mois à chercher une pièce, puis sans vouloir de pas l'avoir acheté parce qu'on l'avait trouvé cher quoi. Ok. Bah écoute. Et puis à l'inverse, voilà l'axe d'essuie-glace que j'avais cassé quand j'ai démonté. ce genre de conneries, mais qui est quand même vital pour la bagnole, parce que bah quand t'as plus d'essuie-glace, t'es surtout chez nous. Voilà. Bah, t'es un peu comme un con quoi, donc ouais c'est clair. Et voilà, et je pensais retrouver ça facilement puisque il faut démonter l'essuie-glace pour enlever le pare-brise. On verra ça tout à l'heure. Mais voilà. D'accord. Compliqué à trouver. Eh ben on va regarder le moteur, les amis, ici, ça vous dit. Moi ça me dit, c'est quand même une belle technologie. On en parlait dans la vidéo de Gilles, justement, la dernière présentation de la NSU TT, un petit peu du moteur rotatif. Donc bah justement, on va en parler avec quelqu'un qui l'utilise cette fois-ci. C'est quand même toujours intéressant. Alors, disons, ouais, c'est déjà pas trop d'origine tout ça. Non, voilà. Donc voilà, moteur rotatif, biturbo, birotor biturbo. Voilà. D'accord. Donc on voit quand même que le moteur est assez contenu. Donc c'est vendu avec une cylindrée finalement d'un litre 3. Ok. Mais bon, c'est plus un 2 litres 6. Puisque vu que le rotatif a 3 chambres de combustion par rotor. Ok, ouais. Donc finalement, ça augmente la cylindrée. Parce qu'il y a toujours 2 chambres de combustion qui sont sous pression. Alors d'origine, ça sort combien?
Combien de chevaux? Alors d'origine, les premières sortaient 240 chevaux. Après, il y a eu des versions à 250, 260, puis une version limitée à 280 chevaux. Ok, voilà. Toujours avec la même base moteur? Même base moteur, birotor, biturbo. Donc, il jouait sur la pression turbo, j'imagine. Voilà, sur les pressions turbo, sur l'alimentation, voilà, sur l'injection, sur ces choses-là. Ok. Voilà. Celle-ci, avec la prépa qu'elle a, bah, elle n'est pas passée au banc, mais on est plus entre 300 et 350 chevaux. Ah, quand même. Voilà. Ouais, enfin, remarque, sur les RX-7, on voit vraiment des trucs de fou sur Internet. Hein. Voilà, disons que voilà, ça se prépare quand même facilement. Il y a beaucoup moins de pièces que dans un moteur classique, donc... Il est tout petit. Voilà, c'est vraiment tout petit. Hein. Il est vraiment tout petit, les amis, en termes de dimension, là, de l'alternateur jusqu'à derrière, par exemple, on a, je sais pas, 30-40 cm. Ouais, peut-être comme ça, 40-50 cm, quoi. Ouais, c'est... Comme tu me disais, bon, le gars qui a un peu de force et tout, il le soulève, quand, en le démontant, il le sort comme ça, quoi. Alors voilà, les gens qui démontent voilà, sur les pages, sur les forums, les moteurs, en 2 heures, il est dehors, sans souci, quoi. Ouais. Et si on est deux, il n'y a presque pas besoin de chèvre pour le sortir, quoi. Ouais. Tellement c'est petit, quoi. Puisqu'on laisse la boîte dedans et puis ça sort tout seul, quoi. Voilà. Oui, parce que c'est con, hein, ce que je vais dire, mais c'est une propulsion. Hein, donc voilà. Le donc, moteur, voilà, la boîte, elle est quasi en dessous du tableau de bord, quoi. Ouais, elle est en dessous de, voilà, dans le tunnel dans de le tunnel, en dessous voilà. du tableau de bord. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que c'est une très très bonne drifteuse qui est utilisée très très souvent dans ce domaine. Du coup, la répartition, c'est 48-52. Voilà, donc on est presque sur du 50-50 entre l'avant et l'arrière. Ouais. Donc c'est vraiment idéal pour... Bon, remarque, j'ai lu aussi que c'était quand même une très bonne pistarde aussi parce qu'elle a un centre de gravité qui est super intéressant. Puis le châssis est quand même pas dégueulasse. Hein. Ouais, le châssis est bon parce que ben, au niveau des trains avant, on est sur de la double triangulation. Ah, ouais. Donc, comme la compétition, à l'arrière aussi. Mmh. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir des roues qui travaillent verticalement. Mmh. Donc c'est voilà, au niveau pistarde, c'est vrai que ça doit être efficace. Moi, je suis jamais allé sur piste avec. Ouais. Donc, je pense pas que je prendrais les risques, on va dire, d'aller sur piste avec celle-ci. Mais c'est vrai que ou alors avant le rebuild tu vas ouais, voilà, puis voilà, encore puis encore ouais. Parce que bon, vaut mieux faire le rebuild quand le moteur tourne encore que, ouais, voilà, que de tout péter que quoi. De tout péter, ça coûte exactement. Quand même 3 fois moins cher. D'ailleurs bah tiens, on en parle du rebuild. Bon bah, on va pas parler des kilométrages, tout ça, ça dépend de l'entretien, ça dépend de plein de choses, donc ouais. Mais en termes de tarifs aujourd'hui, alors en termes de tarifs, donc faut savoir, voilà, on peut faire un rebuild, on va dire préventif. C'est-à-dire que voilà, on prend ses compressions régulièrement sur le véhicule pour avoir l'idée de l'état de santé de son moteur. Voilà, ouais. Voilà. Et puis quand on voit que ça commence à décliner et puis à sortir des valeurs, bah voilà, on dit stop. On va chez un préparateur, chez un garagiste, ouais. Et puis on fait le rebuild. Donc là, moi j'avais fait un devis dans un garage en Suisse qui fait de la course avec un tri-rotor. Voilà. Donc eux, ils m'avaient dit, voilà, si le moteur tourne encore et puis que les éléments extérieurs du moteur sont en bon état, voilà, ça coûte entre 3000 et 3500 francs. Okay. Voilà. Alors néanmoins c'est un très bon moteur, bon bah vous l'aurez compris, il y a un rotatif, hein. Après vous pouvez aller vous renseigner sur internet, machin, il y a des pour, des contre, ça consomme, machin. Bon. On n'est pas là pour ça, mais tu peux nous donner ta consommation quand même. Hein, mais Ouais, alors au niveau de la conso, on est presque à 25 litres au 100 quoi. Ouais. Voilà. En bon. Roulant, on va dire, pas non plus en roulant à fond tout le temps quoi. 300 chevaux après, voilà. Hein. Ouais, voilà. On a ce qu'on a. Non, ben, voilà, enfin, le rotatif, on sait que voilà, il voilà. n'y a pas de soupape, c'est. C'est donc pas nouveau. Injecteurs, c'est voilà, il y a beaucoup d'air avec les turbos, donc. Néanmoins, on en a parlé juste avant aussi. Il y a quelques petits soucis de refroidissement. C'est pas quelque chose qui est idéal là-dessus. Du moins, c'est ce que tu m'as dit un petit peu, ce que tu m'as fait comprendre tout à l'heure. C'est faut placer. Ouais, ça chauffe pas mal. Donc du coup, c'est vrai que quand on commence à voilà mettre un peu de chevaux et puis avoir un usage intensif, il y a une modif qui est faite sur beaucoup 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 d'RX7. Elle est faite ici. Voilà, elle est faite ici. Ouais. C'est ce qu'on appelle le V-mount. Donc en fait, finalement, au lieu d'avoir l'échangeur et le radiateur derrière, l'un derrière l'autre. Droit, ouais, voilà. Vraiment comme, bah, comme d'origine sur plein de voitures. Voilà, plein de voitures. Hein. Vous avez le radiateur qui est droit. Voilà, les deux parallèles l'un par rapport à l'autre. Voilà, ouais. Ici, en fait, ils sont en position en V. Donc on a l'échangeur à plat au-dessus qu'on voit ici. Ouais. Et puis. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, les amis, mais en gros, ouais. On a le radiateur qui est ici. Voilà. Voilà. Donc le but, c'est que les deux prennent de l'air frais. Et puis pas que... En direct, directement. Voilà, quoi. Directement de l'air frais, qu'il n'y en ait pas un qui soit, ouais. qui soit réchauffé par l'autre, on va dire, entre guillemets. Ouais. Voilà. Ok. Et puis il y a également donc, deux radiateurs d'huile pour refroidir aussi. Donc il y en a un de chaque côté. Ils sont où, ouais. Alors dans les aérations ici, voilà. Ça c'est d'origine. Hein, ah d'accord. Les radiateurs d'huile. Je sais pas si on voit, les amis, mais en gros, ouais, vous avez des petits radiateurs d'huile hein, qui sont de chaque côté. Voilà. Donc c'est vraiment pour refroidir le moteur qui... Et justement, on parle d'huile, tiens, c'est intéressant ça, tu m'en as parlé aussi juste avant. Le circuit d'huile, alors comment ça marche finalement? C'est
Tu m'as parlé d'un mélangeur d'origine, c'est ça ? Alors, d'origine, il y a un mélangeur pour mélanger l'huile avec le carburant, afin de lubrifier l'intérieur du moteur. Okay. Donc, notamment pour la durée de vie de ces joints qui sont au bout des aiguilles. Alors, j'image un peu le truc, mais c'est un peu comme un deux temps. Voilà, c'est exactement comme ça. Okay. Comme un deux temps, voilà. Donc, d'origine, il y a un mélangeur qui le fait. Après, voilà, sur celle-ci, il y a beaucoup de propriétaires qui font un mélange, eux, dans le réservoir d'essence. Voilà. Okay. Donc, moi, à chaque plein d'essence, qui fait 75 litres, voilà, je mets 1 demi-litre d'huile de temps dedans. Voilà, c'est un prix-mix. Et tu mets de l'huile spéciale ou de la un peu compétition ou pas l'huile du tout, de temps, voilà, ben je mets pas non plus de la Leclerc, quoi, mais voilà, de l'huile de temps, c'est de la Elf, moteur de temps pour les motos. D'accord. Voilà. Donc elle fume un petit peu. Donc c'est pour ça que voilà, le fait que les RX7 fument, c'est pas parce que les joints sont foutus ou que le moteur est foutu, c'est normal, c'est parce qu'on met de l'huile dedans. Ouais, elle bouffe un peu. Enfin, voilà. Ouais, puis après, ben suivant la puissance, on met plus ou moins d'huile. Ok. Voilà, c'est un pourcentage, c'est un ratio, c'est... Alors non, c'est plus le préparateur qui dit. Après, je pense que plus on en met, mieux c'est, parce que plus ça lubrifie. Ouais. Le désavantage, c'est que ça encrasse le moteur. Les huiles brûlées, voilà. Oui. C'est pour ça qu'il faut prendre une huile avec un taux de cendre le plus petit possible. Et puis c'est aussi pour ça que de temps en temps, il faut quand même appuyer sur la pédale d'accélérateur pour que ça nettoie voilà, les bougies, que ça nettoie le moteur, d'accord, que ça nettoie le rotor, quoi. Ok. Voilà. Mais une RX-7 qui fume noir n'est pas une RX-7 foutue. D'accord. Voilà. Bon, ben voilà, les amis, plus de préjugés, plus de... Voilà. On peut parler tarifs un petit peu ou... Ouais, on peut parler tarifs, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, tu l'as acheté il y a un an, c'est ça ? Je l'ai acheté il y a un an, jour pour jour, presque. Ouais. Voilà. Donc moi, je l'ai acheté, elle était déjà en plaque française. Donc voilà, okay. Comme j'ai dit, il y avait déjà pas mal de modifs. Parce qu'elle était importée du Japon. Parce qu'elle était importée du Japon, celle-là, oui. Donc il y avait déjà la prépa, il y avait déjà... Voilà, le CT était fait. Donc voilà, moi, j'ai payé 18 000. C'est très correct quand même, moi je trouve. 18 000 euros, voilà, par rapport à ce que moi j'avais regardé, puisque... Bah, avec les pièces perf et tout, enfin... Tout comme elle était, donc ouais. à part les jantes et puis les ailes. Oui, enfin, voilà. Oui. Et puis bon, les sièges, voilà, qui étaient un peu abîmés. Ah, mais... hein. Voilà, donc moi j'ai payé 18 000. Après, je m'étais renseigné auprès d'importateurs pour en acheter, parce que voilà, de toute façon, je voulais en acheter une. Ouais, ouais. Donc je m'étais renseigné pour un import. Et on va dire, avec ce kilométrage-là, dans cet état-là, on était plus aux alentours des 25, quoi. Ah ouais. Voilà, parce que ben c'est pareil, il faut refaire les papiers et tout, donc c'est sûr que ça coûte des sous, quoi. Tu m'étonnes. Donc c'est pour ça que j'ai. Et puis il y a des choses à modifier par rapport au Japon, je veux dire, pour mettre en conformité avec la France ou non, tu sais pas. Alors là, je pense que il y a beaucoup d'autos japonaises qui ont pas d'anti-brouillard arrière. Ouais. Alors bon, là, ça a pas été fait parce que celle-là, elle a été importée depuis un moment. Mais je pense que maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, si on veut en apporter une et l'homologuer, ouais. C'est de plus en plus compliqué. Comme j'avais dit pour la Mitsubishi, c'est voilà, maintenant l'État français s'est un peu mis là-dessus et puis ils sont quand même beaucoup plus stricts. Mais après, sinon, voilà, au terme de voilà, puissance, les roues, tout ça, il n'y a pas de souci pour l'homologation, quoi. Ok. Puisque c'est une auto qui a été vendue en France, hein, à la base. Hein, ah, hein. En volant à gauche. Il y en avait. Hein. Il n'y en a pas eu beaucoup. Pas eu beaucoup, je pense, ouais. Ouais, il n'y en a pas eu beaucoup parce qu'il n'y avait pas beaucoup puis, de. Niveau tarif, ça doit être sympathique aussi, non ? Alors, bah, c'est le double. Hein, voilà. Une conduite à gauche, c'est le double. Ah ouais, 40 000. Il faut se le dire. Ouais, c'est. Voilà. Bon, bah, moi, j'ai hâte d'aller voir ce que ça donne hein, sur la route, si ça ne te dérange pas. Pas de souci. Et puis, bah, voilà. Allez, on se retrouve en dynamique, les chefs. J'avoue, l'habitacle est quand même très restreint. Ouais, c'est vraiment, on voit que c'est vraiment pour les Japonais, et puis qui sont vraiment pas le même gabarit que nous. Voilà, moi je reculerais bien encore le siège un peu si je pouvais, quoi. Ouais. Mais bon, on fait avec. Mais écoute, hein, pas trop le choix. Hein. On parlait de la ligne justement, je trouve que ça va. Ben, là, on n'est pas dans les tours, hein. Mais en tout cas, en conduite comme ça. C'est pas trop présent, ça va. Non, pour l'instant, ça va. Ah, pour l'instant, ça. J'aime bien le pour l'instant. Ouais, parce que c'est dans, quand le deuxième turbo il prend, parce qu'ils prennent l'un après l'autre, voilà, on entend vraiment un changement de bruit qui est beaucoup plus important. D'accord, parce qu'au niveau des tours moteurs, par exemple, bon, bah, le premier turbo il se lance à. Il se lance quasiment tout quasi, ouais, voilà. Quasiment instantané. Le deuxième il prend entre 3600 et 4000. D'accord. Voilà. Ok. Et après ça remonte jusqu'à 8. Jusqu'à 8, ouais. Ok. Pour ceux qui reconnaissent, on est à Technoland, donc à Etup, hein, Belfort-Montbéliard. Voilà, c'est pour ça que c'est calme, hein, y a pas grand monde, on est le week-end, on est tranquille. Mais de toute façon, on va respecter hein, dans tous les cas. Là, on est à 50, tout va bien. Aurélien peut l'attester. Ouais, ouais.
Mais bon, je crois que ton compteur marche pas trop bien. Donc si le compteur passe à la vidéo, je crois qu'il y a un petit problème de compteur. Voilà, c'est la dernière chose qui me reste à faire, ouais, à régler sur ce auto. Voilà, c'est le compteur. Mais toutes, hein, toutes celles qui passent sur la chaîne ont des problèmes compteurs, les amis. Il faut le savoir. Voilà, non, mais c'est avec le bon cours, du coup, il n'a pas été recalibré derrière. Mmh. Voilà, c'est pour ça que moi j'utilise une application de navigation pour avoir ma vitesse, ouais, pour le moment. Turbo, là on est sur tu sais à peu près ou alors là non, on est pas très haut, je crois on est à 1 bar 2 il me semble. Ah ça va, ouais. C'est pas encore ouais. Voilà. Ça marche bien, hein. Putain, voilà, après donc pas de SP, ouais, donc voilà, ce qui est piégeur c'est bah voilà, bah, c'est le propulsion, hein. Alors si le turbo il s'enclenche dans un rond-point ou dans de... Voilà, c'est bon, là il y a quand même des Smith League, on est quand même sur du temps sec et tout, donc oui, ça va, là, mais on est dans les bonnes conditions. C'est vrai qu'il faut faire un peu attention à ça, c'est tout. Au début, voilà, moi je me suis piégé 2-3 fois, mais... Maintenant ça va. Maintenant ça va, maintenant voilà, je prends le temps. Séquencer finalement en roulant régulièrement, par exemple sur autoroute, et ben au bout d'un moment, lui pour lui, il sait plus trop où il en est, puis il séquence pas quoi. D'accord, voilà. Donc, on est obligé de redescendre dans les tours pour qu'il relance. C'est pour ça qu'il y en a pas mal quand même qui enlève le biturbo et puis qui passe en monoturbo. Ça permet aussi de sortir plus de chevaux avec un turbo qui est beaucoup plus gros, quoi. Ouais. Mais le turbo il est vraiment. Alors, il y en a quelques-unes en France qui l'ont. Ouais, le turbo il est vraiment énorme, quoi. C'est pas humain, quoi. Un sacré escargot. Ouais. Après voilà, il y en a quelques-unes en tri-roto aussi en France. Donc là t'es en turbo d'origine, toi. Là c'est turbo d'origine. Putain, ça marche bien. Ouais. Oh la vache. Là il y a juste voilà, juste une grosse pompe à essence, des gros injecteurs, cartographie pour faire travailler tout ça. Voilà, le pont court dans la boîte, l'autobloc. Et puis même t'as niveau, un pont court quand même. Il y a un pont court. Ouais. Ok. Ouais, ouais. Putain, ça marche bien. Je suis impressionné. Putain, le truc. Ah c'est coupleux, hein. C'est plaisant à rouler. Ouais. Honnêtement. Voilà les amis, donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi ça a été une belle découverte, merci à toi Aurélien, ben, merci à vous. Pour ce petit tour, pour cette petite présentation fort sympathique, on en apprend toujours un peu plus, c'est ça qui est intéressant, voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker la page Facebook, Instagram, mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, ciao ciao, salut Aurélien.
Salut à tous.